Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'année 2020 se termine. Une année difficile, une année inédite qui a perturbé notre vie de tous les jours. Néanmoins, nous avons continué à progresser, les projets ont avancé, je vous propose d'en découvrir un certain nombre. Nous sommes arrivés sur la place de la gare, une belle réalisation, une place transformée, une place plus sécurisée, une place plus verdoyante. Une place que nous nous approprions aujourd'hui. Nous venons de démarrer la rénovation du boulevard Joffre qui va être transformé en boulevard urbain à l'image de l'avenue Général Leclerc. Je vous propose maintenant d'aller sur une autre réalisation. Nous voilà arrivés à une autre réalisation, la construction du nouveau centre de la jeunesse et de la culture, le bâtiment du KL qui va ravir nos jeunes et moins jeunes de l'ensemble de la ville. Vous remarquerez également l'architecture, une architecture en plein 21e siècle qui s'harmonise avec les autres habitations de la ville. Je vous propose maintenant d'aller sur un autre lieu d'animation. Nous allons place Condorcet, cette place centrale, cette place des animations, cette place des fêtes. Cette place aussi abrite le poste de police, le symbole de notre sécurité et dont les effectifs ont augmenté en 2021 pour toujours plus de sécurité. Nous voilà arrivés dans notre théâtre, le théâtre de l'Agorène. C'est là même, ici même, que nous avons lancé notre nouvelle saison culturelle. Trop vite interrompue, comme vous le savez, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'appréciais votre engouement pour nos spectacles. Et j'ai hâte, comme vous, d'y revenir très vite pour continuer à apprécier ces moments de convivialité. Je propose maintenant d'aller vers un autre lieu, notre ville à Saint-Cyr. Nous voilà arrivés sur un autre lieu emblématique de la ville, cette ville à Saint-Cyr qui fait la fierté de nous tous, lieu de commémoration, lieu de fête, fête que nous organiserons dès que les conditions nous le permettront. Très bonne année à toutes, à tous, très belle année 2021.